Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler du perroquet Amazon à tête jaune, ou Amazona oratrix. Les perroquets Amazon sont des perroquets du genre Amazona. Ce sont des perroquets à queue courte de taille moyenne originaires des Amériques, leur aire de répartition s'étendant de l'Amérique du Sud au Mexique et aux Caraïbes. Amazona est l'un des 92 genres de perroquets qui composent l'ordre des Psittaciformes et fait partie de la famille des Psittacidae, l'une des trois familles de vrais perroquets. C'est un oiseau robuste au plumage vert, plus clair sur la partie ventrale, il a la particularité d'avoir la tête complètement jaune. Les ailes sont marquées de rouge au niveau des poignets et des couvertures secondaires. Le bec est clair, les yeux sont orange et les pattes roses. Les sujets immatures n'ont qu'un peu de jaune sur le front, ne présentent pas de coloration rouge et ont les yeux marrons. L'Amazone à tête jaune mesure 35 à 36 cm pour une envergure de 71 cm et une masse comprise entre 400 et 500 g. Amazone à front jaune habite dans les forêts ouvertes, lisières de forêts humides, forêts-galeries, les forêts de feuillus, savanes ouvertes et des zones humides dans les forêts pluviales de plaine, également cultivées et les zones suburbaines dans certaines localités, et souvent près des rivières. Cette espèce vit dans des régions de forêts de basse ou moyenne altitude, jusqu'à 500 voire 700 mètres. Elle fréquente des zones de savane parsemées de pins ou de palmiers, des régions de maquis arides et buissonneux, des forêts sèches ou semi-humides. Elle niche dans les arbres creux. Cet oiseau occupe les côtes atlantiques et pacifiques du Mexique, au Belize et au Honduras. Le Amazone à front jaune sont en Panama, dans Amérique centrale et en Amérique du sud vers l'est Brésil et au nord de Bolivie, ils sont présents dans Panama, principalement sur le versant de la paisible, depuis Chiriquí, à l'ouest de Darién, mais aussi dans le hangar Caraïbe, par exemple, dans l'est San Blas Island, également le long de la Pearl Island Wee Parc National de Cuaba. Généralement observé dans les plaines, rapporté 500 mètres en Colombie ou Venezuela et un 750 mètres en Honduras. Habituellement, en paire ou en petit troupeau de 10 à 30 oiseaux, avec des rassemblements occasionnels jusqu'à 300. Les oiseaux se rassemblent dans les arbres communs.
Il contient une trentaine d'espèces. La plupart des Amazones sont principalement vertes, avec des couleurs accentuées qui dépendent de l'espèce, et elles peuvent être assez vives. Ils se nourrissent principalement de graines, de noix et des fruits, complétés par des matières feuillues. Cet oiseau ne présente pas de dimorphisme sexuel. Son monogamie, couple à rejoint en pour la vie, son temps de reproduction il est de décembre à mai. À ce temps, il pond des griffes de 2 à 4 œufs, seulement par Cnidada temporda. Nitron de palmiers et des termitières, il faut environ 25 jours pour que les œufs éclosent et à proximité 56 jours pour devenir oisillon. Les jeunes deviennent indépendants 2 mois après l'éclosion. Amazone à front jaune mâle et femelle atteignent la maturité sexuelle autour de la 3 ans. Les perroquets Amazones du continent se nourrissent puis nourrissent leurs petits 2 fois par jour, généralement 1 heure après le lever du soleil et 1 heure et demie avant le coucher du soleil, tandis que les perroquets Amazones des Antilles le font 4 à 5 fois. Les hypothèses proposées pour expliquer pourquoi cela inclut la valeur nutritionnelle des aliments dans la région ainsi que le stress thermique. Pendant le temps d'arrêt avant les expéditions de recherche de nourriture dans l'après-midi, les perroquets Amazones passent leur temps à se lisser eux-mêmes et leurs compagnons. Les perroquets Amazones se nourrissent principalement de graines, de noix, de fruits, de baies, de bourgeons, de nectar et de fleurs, complétés par des matières feuillues. Leur bec leur permet de casser facilement les coquilles de noix et ils tiennent leur nourriture avec un pied. Les aliments présentés dans le régime alimentaire de cette perroquet incluent fruits jeunes américains Curatella, Peresquia guamacho et autres cactus. Se nourrit principalement de tritopes, il est considéré comme un peste dans certaines localités pour leur amour de manger des bananes, cette espèce est considérée comme un ravageur dans certaines zones de son penchant pour la consommation des bananes, mangue et culture de maïs. Thank you.
Le Amazon à front jaune en captivité, connu pour ses frasques et d'excellentes compétences imiter la voix humaine. Ceci étant dit, la capacité d'imiter variera entre oiseaux et même si beaucoup d'entre eux sont conversadora excellents, certains ne viendront jamais à parler. Ces Amazones sont généralement affectueux. Son caractère convivial et ludique rendre excellents animaux de compagnie. Les Amazones à front jaune sont facilement domesticables et faciles à former. Connus pour être très actifs, ce qui les rend plus adaptés à un environnement qui leur permet de voler. Ils sont connus pour leur voix. Il est dit qu'il est le plus fort de tous les perroquets d'Amazonie. Ceux qui n'est pas tolérant au bruit, ils feront bien de vivre avec ce perroquet. Comme la plupart des perroquets, ce écuyère il peut être très destructrice. Nous devons personnaliser votre environnement, fournir des objets à mâcher comme les branches et les différents jouets. En captivité, les oiseaux apprécient les légumes tels que la courge, la pomme de terre bouillie, les pois, les haricots et les carottes. Sa longévité devrait également être une considération. Ces perroquets, ils peuvent vivre entre 60 et 80 ans. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.